L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de. Ça va? Ça va chez toi? Viens ici. Qu'est-ce que tu as senti? On t'avait enchaîné les pieds jusqu'au niveau des mains. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu as senti les chaînes partir. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Allez vous asseoir. Ok, now le chapitre 1. Vous avez deux ans corbeilles là-bas. Hein? Le panier est à Dieu. Ok, emmenez-moi un. L'Éternel est un Dieu jaloux. On dit l'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. Il se venge. L'Éternel se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. Stop. Amen. 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 Vous voyez, c'est plein de sens ce passage. Non, déposer du vent. Déposer la corbeille du vent. Amen. J'aurai deux ans tout à l'heure des noms de ceux qui vous persécutent. C'est comme une plainte que vous venez déposer à Dieu. Vous dites, voici celui-là qui m'en veut. Le voici. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'on dit l'Éternel se venge. On lit le verset 2. On dit l'Éternel est un Dieu. D'abord, il est un Dieu jaloux. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'aimerait pas te partager avec quelqu'un. J'ai expliqué un peu jalousie. Il y a deux formes de jalousie. Amen. Il y a la jalousie des sorciers. Voilà, il y a la jalousie des sorciers. Et quand tu commences à prospérer, ils sont pas contents, ils sont jaloux. Parce qu'ils n'ont pas ce que tu as. Ils t'ont cherché à te détruire. Ils cherchent à te détruire. Il y a une autre forme de jalousie. Où le monsieur, il est jaloux. Amen. Parce qu'il veut protéger sa femme. Ce n'est pas sorcellerie. Hein. Ce n'est pas fait de non, il est sorti, il est trop jaloux. Non. On est jaloux parce qu'on protège, madame. Est-ce que tu m'as bien saisi? Madame est jalouse parce qu'elle n'aimait pas te partager avec quelqu'un. Non. Elle est chaude, on ne partage pas. On veut partager qui mange. On veut manger dans la même assiette. Mais Zadi, là, on ne le partage pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il manifeste la jalousie parce que c'est ma propriété. D'accord? Je ne dois pas partager ça à quelqu'un. Ce n'est pas sorcellerie. Or, l'autre forme de sorcellerie, on est jaloux parce que l'autre, il prospère. Donc, on cherche à le détruire. Or, la Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux parce qu'il n'aimerait pas voir le diable en train de nous torturé, terrorisé. Il est jaloux. Amen. Amen. En plus qu'il est jaloux, on dit qu'il se venge. On dit Dieu se venge. Quand on parle de la vengeance, ça veut dire quoi? Quoi? C'est venger. La vengeance, ça c'est qu'on a fait et puis on revient. On a vu que ça n'a pas marché. On se venge. Oui, tu es là, la personne. Ils t'ont gagné, ils t'ont frappé. Oui, tu cherches quelqu'un pour venir te venger. Tu as perdu un combat. Puis Dieu regarde, ok. Et dis, mets-toi derrière. Tu as perdu le combat, non? Moi, je viens te venger. Amen. Voilà. Amen. Amen. Vous avez perdu des combats.
partir des terrains, tu dois avoir du travail, tu as perdu ça. Parce qu'il y a un sorcier qui a gâté. Tu devais avoir l'argent, le sorcier est venu, il a chié sur ça. Tout est gâté. Tu voulais aller te marier. Ils sont venus chier sur ton visage. Ils ont tout gâté. Dieu était dans le secret, il voyait tout ça. Comme tu as donné ta vie à Dieu, à Jésus maintenant, lui vient te venger. Est-ce qu'ils t'ont fait là? Lui vient venger ça, il vient te venger. Il ne va pas laisser ça. Hein? Il laisse pas ça pour dire non, tu vas avoir le salut. Non, il vient te venger. Celui qui t'a fait ça, il le connaît. Amen. On dit Dieu est un Dieu jaloux, il ne s'est pas mangé. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Comprenez bien la parole de Dieu. Amen. Amen. Il est un Dieu jaloux, il se venge. On dit l'Éternel se venge, il est plein de fureur. Il se venge de ses adversaires. Ça veut dire quoi? Toi, tes adversaires sont désormais les adversaires de Dieu. Un adversaire, c'est celui qui s'oppose à toi. Quand tu veux bouger quelque part, il barre le chemin. Il y a des gens qui ont le secret qui vous barrent le chemin. Le chemin du succès, le chemin du mariage, le chemin de la bénédiction, ils sont là pour ça. Eux, c'est leur travail dans ta vie. Amen. Comme tu as donné ta vie à Dieu, il va maintenant venir te venger. Il va prendre ta place et affronter ton ennemi. Amen. Tes adversaires. Oh, Dieu est un bulldozer. Amen. Personne ne peut l'arrêter. Alléluia. Amen. On dit amen. Amen. Regardez ce qui est intéressant. Quand vous lisez un peu plus bas le verset, on dit il garde rancune à ses ennemis. Vous savez que tout le monde dit rancune à ses péchés. Non? Hein? On dit non, c'est pas bon de garder rancune. Ou bien? Et il est rancuné. Hein? Et c'est pas bon. On dit Dieu garde les rancunes. Ça veut dire quoi? Ce qu'ils t'ont fait là, lui il regardait ça, vous voyez? Parce que rien n'est caché aux yeux de Dieu. Laissez-moi vous conter l'histoire d'être. Le peuple d'Israël était en Égypte. En réalité, la place d'Israël, ce n'était pas l'Égypte. C'était Canaan. Amen. Amen. C'est qu'on appelle Joseph qu'on a vendu en Égypte. Après son élévation, il doit envoyer ses parents séjourner là. Et les pharaons, l'Égyptien ont compris que ce peuple a été béni. Le Dieu n'attend pas n'importe qui, il attend celui qui est béni. C'est ça que lorsque Hérode a appris que l'étoile qui venait d'apparaître appartenait à un grand roi, il a commencé à attaquer le bébé. Ah, ils savent qui vous êtes. Le diable sait. Dans la famille, ils savent. Qui doit devenir quoi, qui va prospérer, ils savent tout ça. Amen. Amen. Oh, ils vont changer la destinée de ce peuple. Ils vont imposer l'esclavage. En Égypte, ils ont commencé à travailler pendant des années. Le jour où tu vas commencer à se lever pour commencer à délivrer le peuple d'Israël, il y a eu des magiciens qui voyaient aussi, qui étaient des voyants, qui ont été donnés parmi les enfants hébreux là. Hein? Doit être un sauveur. Ils vont envoyer un message aux sages-femmes de tuer tous les enfants mâles. Vous connaissez un peu l'histoire? Vous connaissez l'histoire? Amen. Ils ont vu, vous savez, le diable sait qui vous êtes. Dans le secret, ils ont compris que devait un certain Moïse. Moïse, on avait sauvé les autres. Ils ont commencé à tuer les mâles, les enfants garçons, ce qu'on appelle mâles. Amen. Voilà. Voyez, chez nous, ils ne sont pas deux français. On est villageois. Quand on dit mâle, là, ils vont parler sur autre chose. On est villageois. Pas deux français ici. Mâle, là, il dit garçon. Amen. Voilà, garçon. Ils ont commencé à tuer les petits garçons. On les prend. Qu'est-ce que les gens faisaient dans l'histoire? Selon l'histoire, quand les gens prenaient les garçons, là, on les jetait dans le fleuve qu'on appelle Nil. Oh, pour protéger Moïse, la maman va prendre l'enfant,
mettre la porte dans une corbeille et le mettre sur le fleuve Nil. Vous dites certainement, comme ils ont dû jeter l'enfant, ils ont jeté l'enfant, puis l'enfant a survécu. Dans le fleuve Nil. C'est là qu'ils ont jeté les enfants. Dieu a regardé cette scène. Amen. Amen. Dis amen. Dieu dit, dis à quelqu'un, Dieu a regardé ça. Dieu a regardé ça. Il l'a gardé dans son cœur. Alléluia. Amen. Le jour où Dieu envoyait Moïse, le même Moïse, sauver les eaux, il va endurcir le cœur de Pharaon. Je vous dis aujourd'hui, si vous connaissez un sorcier qui ne reconnaît pas ça, il est sorcier, il ne reconnaît pas. Laissez-le parce que Dieu veut de Dieu. Il va dire à Pharaon, Moïse, je t'envoie en Égypte, mais je vais endurcir le cœur de Pharaon parce que j'ai envie de le tuer. Amen. C'est Dieu même qui a dit à Moïse, va, je t'envoie. Il ne va pas accepter, parce que c'est moi qui ferai ça. Vous parlez aux parents sorciers, il ne veut pas reconnaître. Dieu veut le tuer. Amen. Dieu veut le tuer. Or, un cœur repentant vient de Dieu. C'est Dieu qui amène les gens à reconnaître leur péché. Quand quelqu'un ne reconnaît plus, c'est qu'il veut, il tombe sur le jugement de Dieu. Laissez-moi tuer au sorcier ce soir. Amen. Je vais vous donner l'enseignement. Quand vous voyez quelqu'un qui est sorcier, puis discute, c'est que Dieu veut le tuer. Il a dit à Moïse, entre, j'en distribue le cœur de Moïse et Pharaon. Pourquoi? Parce que Dieu a regardé cette scène. Une destinée, un roi, un sauveur. Toi, tu es le sauveur de la famille. C'est toi qui as envoyé dans la famille. Bénis la famille. Et c'est toi le diable. Attaque. Tu as gardé ça dans son cœur. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu m'a protégé. Amen. Amen. Comme tu as cru en Jésus. Quand Moïse allait, il, dit, il a dit à Moïse, il disait, Pharaon n'a jamais accepté. Parce qu'il a fermé son cœur, j'ai jeté cette clé. Là, je n'ai jamais trouvé. Quand Moïse est monté dans la cour de Pharaon, il a commencé à parler. Pharaon lui a dit, non, c'est rien ça. Quand Pharaon a vu beaucoup de choses, il a laissé partir le peuple. La dernière plaie, c'est que son fils est mort. Tous les premiers-nés sont morts en Égypte. Après, il a dit, non. Ce peuple-là, s'il laisse ce peuple. Ils savent que si vous laissez, vous allez avancer. Amen. Amen. Ils savent que si vous laissez, c'est Canaan. Ils sont courants, ils savent que si vous laissez, vous allez marcher, ça va aller chez vous. Amen. Ils ont compris. Si on laisse ce peuple-là, l'Égypte tombe. Non. Or, c'était dans le plan de Dieu. Pourquoi? C'est pas l'eau, ils ont pris pour tuer les gens. Les bébés là. Amen. Ok. Vous avez pris fleuve, non? Moi, je prends la mer pour vous tuer. Amen. Fleuve de ma petite. Un fleuve et la mer. Qu'est-ce qui est gagné? C'est la mer. Amen. C'est pour ça que Dieu a conduit le peuple d'Israël vers la mer Rouge. Parce qu'il garde rancune à ses ennemis. C'est qu'ils t'ont fait, là, il a gardé ça. Amen. Il y a un gars qui voulait te marier un matin pour dire non, c'est bien. Et puis un matin, ils ont mis son portail sur Orange, bonjour, au correspondant ne peut pas toujours appeler ultérieurement. Puis il a changé de plus. Tu as gardé ça. Tu voulais voyager, ils sont allés mettre ton passeport, ton visa dans VC. Tu as gardé ça. Alléluia. Amen. On dit garde rancune. Comme il a gardé rancune, un rancunier, c'est celui qui se venge. Ou bien Amen. Un rancunier se venge toujours. Amen. Amen. Tout à fait un rancunier. Il va te rembourser ça. Ça n'a qu'à durer, mais il va te rendre ça un matin. Chaud, chaud. On appelle ça chaud, chaud. Mais toi, tu vois, puis tu pleures. Puis tu dis, mais tu es méchant. Il dit, ah, tu connais ça. C'est qui tu m'as fait là? C'est la monnaie? Ah, tu sais que ça fait mal. Tu m'as fait, je t'ai fait. Chaud. Il attend une bonne occasion, puis tu mates. Puis ça rentre dans tes os, tu sens ça. Tu l'invites un matin, tu dis viens.
Il vient à la maison, tu manges, tu ne l'invites pas, il te regarde, il te montre qu'il a faim, ça ne te dit rien. Tu manges, tu manges, tu manges, tu manges. Il va rien dire. Il va t'inviter vers 11h30. Et la sauce arachide, que j'aime bien, bien, sera au feu. Avec tous les parfums. Toi, tu rêves comment prendre le plat main dans ta bouche. C'est là qu'il va te montrer quelque chose. Dès qu'on sert le plat, c'est devant toi, il veut manger. Même pour une invitation, il ne te fait pas. Tu dis, mon cher, qu'est-ce qu'il y a? La dernière fois, tu m'as ton antiqué. Tu as oublié ça. C'est ça. Ce qu'ils t'ont fait là, Dieu a gardé ça dans le cœur. Amen. L'Éternel est un Dieu qui se venge. Il garde rancune à ses ennemis. Toi, tes ennemis sont les ennemis de Dieu. Ils ont décidé de te tuer. Tu as gardé ça. Amen. Amen. Le jour où Dieu s'est levé, vous voyez, quand Dieu décide de te venger, jamais plus de pardon. Prenez la Bible. Prenez Jérémie, le chapitre 15. Quand Dieu décide de te délivrer, il n'y a même pas pardon pour le sorcier. Prenez Jérémie, le chapitre 15. Est-ce que monsieur un peu? Amen. Amen. Si vous voyez un sorcier, vous dites, monsieur, vous êtes sorcier, il dit, non, il m'a. Ah! C'est bizarre qu'il a reçu de mourir. C'est comme ça. Ah, s'il reconnaît, Dieu le pardonne. Pour ne pas qu'il reconnaisse, Dieu lui-même vient, il prend sa clé là. Et puis il ferme son cœur. Il va à la clé. Allons-y. Le premier verset. L'Éternel me dit, il dit, l'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face. Je dis, chasse-le loin de ma face. Qu'il s'en aille. Qu'il s'en aille. Et s'ils disent, s'ils te disent, s'ils te disent, où irons-nous? Où irons-nous? Tu leur répondras. Tu leur répondras. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. À la mort ceux qui sont pour la mort. Très bien. C'est pas la mort. C'est la mort là, j'ai envoyé contre toi. Tu t'arrêtes là. Alléluia. Amen. Et là, dans ce passé, on dit, si Moïse et Samuel, quand vous regardez un peu la Moïse, c'est celui qui a intercédé pendant que le peuple adorait le veau d'or. Moïse avait un rendez-vous avec Dieu. Amen. Avec Dieu sur le mont Sinaï. Quand il est descendu du mont Sinaï, il a vu le peuple adorer le veau d'or. La pluie est tombée. Dieu a décidé de détruire tout le peuple. C'est le même Moïse qui a demandé pardon. Dieu dit non. Il dit si toi tu ne bouges pas, je ne bouge plus avec toi. Et Dieu est obligé de se répandre de sa colère, nous dit la Bible. Amen. Amen. On a vu sur le cas de Samuel, où le Seigneur a refusé de susciter un autre roi sur Israël, quand Saül a péché. C'est l'intercession de Samuel qui a permis à Dieu de choisir David. Il dit, même si le plus grand intercesseur venait aujourd'hui, vous demandez pardon par rapport à ton sorcier, lui fermera son cœur. C'est pour dire, le décret est tombé. Dis à quelqu'un, le décret est tombé. Le décret est tombé. Il doit mourir. Il doit mourir. Il dirait pas amen à moi. Amen. Ça ne se négocie pas. Alléluia. Amen. Il a gardé ça dans son cœur. La mort doit retourner dans leur camp. Amen. Je demande de venir debout. Là, s'il vous plaît. Quels sont ceux qui ont envoyé les bougnons, les noms? Venez vous plaindre. Mais seulement. Pas t'asseoir, pourquoi me réalise, mais regarde. Mais.
Il ne faut pas tuer quelqu'un, il n'est pas dans ton affaire. Les gars, ne tuez pas les gens qui sont pas dans votre affaire. J'ai fait une expérience. Il n'a pas dit quelqu'un que tu n'aimes pas. Hein? Ça, j'ai bien expliqué. Toi, t'en vas faire des sorciers. Non, je ne vous ai pas dit les gens que vous ne voulez pas voir. J'ai convaincu qu'il est sorcier. Ok. Dis amen. Amen. Ben, ça va prendre, dis amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons tous nous tenir debout. Vous voulez qu'on est mort? Très bien. Ça va mourir. Alléluia. Nous allons nous plaindre devant Dieu, nous allons tenir tous les mains. Et tu as dit, Seigneur, voici ma plainte, voici celui qui m'en veut. Voici ce qu'il a préparé contre moi. Voici ce qu'il m'a fait. Tu le sais très bien. Aujourd'hui, je me plains parce que je ne veux même plus le voir. Il faut l'exterminer au nom de Jésus. Commence à parler. Ouvre la bouche, commence à parler. Tu vois Blas ici. J'ai rien à faire. Merci Jésus.
Nous voulons te prier, Jésus. Nous voulons te prier, Jésus. Merci pour la manifestation de ton pouvoir. Merci pour la manifestation de ton pouvoir. Merci au nom de Jésus-Christ. Merci, notre Dieu et notre roi. Je veux encore te bénir parce que tu es Dieu. Tu es le Dieu de notre délivrance. Tu es le Dieu de notre délivrance. Tu es le Dieu de notre délivrance. Merci Jésus. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous le faisons prier pour la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Pour la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Nous allons prier. Tu vas prier pour celui qui est assis sur ton trône. Amen. Qu'il dégage. Prions ensemble, Seigneur. Tout le monde. Nous allons commencer à prier. La puissance de Jésus. Se manifeste la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Je serai là demain à 4h du matin devant vous, je vais vous montrer ce qu'il y a à faire. Amen. Devant vous, j'ai posé un acte. Ils vont tous tomber dans le nom de Jésus. Amen. Je ne peux pas entendre dire amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait un monsieur. Qui est vraiment un PDG d'une société, je ne vous mets pas lui son nom parce qu'il est un peu connu. Un matin, il a fait un accident. Il y a quelqu'un qui lui devait de l'argent. Et puis, il allait faire les pratiques mystiques. Le gars fait un accident. Son pied est cassé. Or, les grands, là, tout partout, ils ont dit c'est sorcellerie. Ils ont cherché à me voir. Quand je l'ai regardé, j'ai dit aussi c'est sorcellerie. Et puis je lui ai dit, voyez celui qui a fait ça. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu veux? Vas-y, je vois que lui, il ne va jamais se donner à Jésus. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, le retour à l'envoyé. Il dit, ah, tu veux le retour à l'envoyé? Amen. Je n'ai pas envie de vous montrer mes techniques. Il est pour le nom du monsieur. À 1h du matin, j'ai parlé, j'ai appelé son âme. J'ai appelé son âme. 7 fois son âme. J'ai mis les papiers là. Le matin, monsieur rendu à William, c'est qu'il est jeté au cimetière. La semaine qui a suivi, la voiture l'a tué. Mais les choses, j'ai peur de vous dire, vous allez voir ça trop comme mystique. Si tu n'es pas mystique, Dieu met les mystiques, les mystérieux. Et les choses, c'est ce qu'on appelle lance, c'est ce qu'on appelle âme chimique. Quand j'arrive à ce stade, tu as affaire à moi. Vous savez, moi, mon ministère, c'est de Jésus-Christ n'a pas fait de prier, il a parlé à la nature. Il y a des choses que les gens ne vous enseignent pas. Jésus a parlé à la nature. Il la met, tempête, calme-toi. On nous enseigne à l'église comment ne pas pécher. Mais c'est les pasteurs. Ne pêche pas, ne fais pas ça. Ne faut pas chercher pas de tes camarades. Je sais pas, c'est mauvais. Vous avez regardé, le monsieur, il sait que c'est mauvais, mais fait. Or, moi, je vous enseigne comment parler des mystères. C'est ça que je vous enseigne, le mystère. Et si je me dis, je vais te montrer qu'entre Jésus et Petit Chien, Jésus est fort. Amen. Il a demandé, qu'est-ce que tu veux? Il dit, le retour là-bas, il dit, ah, c'est petit, je vais te montrer. La semaine qui a suivi, là, voiture, bam! Il est resté dedans.
quand venu jouer, le monsieur t'a oublié de payer une grosse bible à l'église. Alléluia. Il y a des choses que je n'ai pas trop envie de vous dire. La termité, vous voyez, la termité, c'est trop dangereux. Je m'arrête là. Amen. Amen. Les sorciers là, eux ils imitent Dieu. Ils n'ont rien inventé. Elles se pouvaient tonner. Foot. Ça appartient à Dieu. Alléluia. Ça là, ça s'est fait avant le coucher du soleil, avant que le soleil ne se lève. Je vais vous montrer comment on fait ça. Désormais, quand tu sais que quelqu'un est contre toi, il fait ça chez lui. Faut qu'on vous montre les petits trucs. On a trop dit, ça c'est, il faut changer. Il ne change pas. Amen. Moi, je change les stratégies. Mais vous ne changez pas. C'est, vous venez toujours les manger, papa, il y a taillé, papa, cabinet. S'il vous plaît. Faut qu'on vous donne un peu les visas de la Mauritanie. Laissez nous donner les visas. On a plein de visas dans nos mains. Les gens ont refusé de vous donner les visas. Tu es là, où tu es, tu es, où tu es aussi. Eh bien, c'est eux qui savent tuer. Il dit à la mort ceux qui sont. Oui, c'est clair. Prenez Jérémie le chapitre 1. Allons-y. Quelqu'un s'est levé, il allait faire pratique de sorcellerie contre toi. Il t'a paralysé. Prends son nom. Parle si ça. Appelle à partir de 1h du matin. Parle si ça pendant 7 fois. Appelle son âme. Âme de temps. Âme de Yahweh. Viens. C'est toi qui j'appelle. À 6, 7 heures. Avant 8 heures. Jette son nom sur une tombe. La semaine qui vient, il meurt. Je vous donne un secret. Amen. Je n'ai pas envie de vous donner ça. Quelque chose est caché dans mon père, lui, il y a des. Vous n'avez pas quelque chose, il est pour l'abandonner. Quelque chose est caché depuis. Nous sommes. Je vais vous montrer, je vais vous donner âme chimique. Vous savez, le jour que un pays a âme chimique, âme nucléaire, les nations commencent à avoir peur. Moi, j'ai âme chimie spirituelle. Amen. Amen. Je vais moi, tu as me tuer. Tu as me tuer. Tu sais tuer. Moi, je sais faire ça 7 fois. Amen. Ce sont eux qui menacent de mort. Voilà. Ok. Ne vous effrayez pas. Ce qui sont des dédits, là, ce n'est pas sorcellerie, ce n'est pas fétiche. Je vous montre ce qui est secret. Moi, je suis là pour les mystères. Vous ouvrez les yeux sur les secrets. Amen. Je ne vous ai pas d'aller adorer le cimetière. Il dit, j'ai son nom là-bas. Amen. Pour lui dire, je t'envoie là-bas. Comme toi, tu veux m'envoyer là-bas, dévance-moi là-bas. Amen. 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 Si ton feu, ça ne brûle pas de lui. Il n'allait pas prendre un petit feu. Quelqu'un te l'a conduit comme un feu. Il va prendre un petit feu. Il prie, mais il vient même t'embrasser un peu. Il dit ton fruit là-même, c'est rien, c'est maïs. C'est rien sur lui. Il changeait de stratégie. Il t'a mis le pistolet pour ça va marcher. Cherchez leur roquette. C'est le pistolet spirituel. Il y a des choses qui ne peuvent pas tuer les sorciers. J'étais oublié de vous donner ça aujourd'hui. Amen. Il y a trop de secrets. Celui qui voit ça mystique, il m'en fiche de lui. Amen. Moi je crois ma foi en Jésus. Amen. Toutes vos histoires, vous voyez tout comme mystique, sorcellerie. Je vous dis, je vais vous envoyer là-bas. C'est un acte prophétique. Toi tu le dévances, tu dis, tu dois me dévancer là-bas, c'est une tienne. Je t'envoie là-bas. Amen. Il y a des secrets qu'on vous doit partager. Depuis les jours là, c'est dans mon cœur, je vous regarde. Celui qui pense que c'est mystique, je m'en fiche de lui. Amen. Après Jérémie le chapitre. Allons-y dans Jérémie le chapitre 15. On n'est plus l'heure. L'heure n'est plus. On est fatigué. Amen. Je vais vous montrer ce qu'il a fait. Puis laissez-moi gérer ça. Laissez-moi gérer ça. Je vais vous montrer un peu comment Dieu tue les sorciers. On dit changer, vous ne voulez pas changer. Non. Ah. Vous tuez, non? Vous ne pas dire bon enfer. La Bible dit que la mort est un gain. Pour nous, là, c'est un gain. Donc, on est content. Pour eux, ils ont peur. Vas-y, ils vont chez leur papa Satan. Dans le feu. Dans les braiser éternellement. Jérémie, le chapitre, et allons-y. Ceux qui sont endoctrinés, ils n'aiment pas les ministères des prophètes. Mais nous, on est bizarre. Le ministère, c'est très bizarre. Il peut venir verser l'eau sur toi. C'est l'action prophétique. C'est comme ça. Nous, on est trop bizarre. Alléluia. Élisée a dit. Ah, Naaman, c'est pas prier, tu veux. C'est pas prier, vas-y, toi, va jeter dans l'eau. Oui, c'est quoi? C'est que je suis venu prier.
Tu me dis, non, elle a respecté, elle a été guérie. Moi, je suis dans les mystères. Je ne suis pas un prieur, mais je suis un apporteur de solutions. Amen. C'est différent des prières. Les prières, elles sont là. Et je devrais dans la. Nous, on apporte solution. Je ne suis pas là pour prier. Je viens apporter quelque chose qui n'est pas dans ta vie. Amen. Moi, je combats la sorcellerie. Amen. Il n'a qu'à être grand. Il n'a qu'à t'envoyer chez un marabout. Viens me voir. À part ça, il y a une autre technique. Viens me voir. Il y a trop de choses pour détruire les gens. C'est parce qu'on ne veut pas vous donner ce secret. Tu as un village, si tu veux descendre un village, tu vas descendre un village. Allons-y. Tu vas l'évangile. Dieu, il a mis un thème, il a amour et puis un feu dévorant. Tu veux devenir triste. Non. Amen. Amen. Mon langage a changé ce soir. Amen. Il dit plus non, laissez, c'est ma maman, c'est ta maman. Non. Ils ont trop tué. Depuis maintenant, j'ai tué. Ok. Laissez-moi essayer, si vous faites un peu. On va essayer ça. On va avoir de vous à nous qui va tuer beaucoup. Tout ce qu'on envoie, il y a tué, il y a maillé oreille, il y a mangé la nuit, mon papa, sa bouche, ses lèvres. Ok. Ok. Amen. L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce pays. À ce peuple, et à ce peuple, chasse-le loin de ma face, qu'il s'en aille. Et s'ils te disent, où irons-nous? Tu leur répondras, ainsi parle l'Éternel, à la mort ceux qui sont pour la mort. On amène les morts. C'est pas Zilizier. Amen. Comment il m'a posé un acte prophétique? Amen. Devancé. Amen. 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 Vous avez donné âme chimique. Amen. Quelqu'un n'a qu'à venir vous menacer de mort. Il faut qu'il vous dévance. Amen. Je dis rien. Vous savez, quand tu as un secret spirituel, tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Tu ne dis rien. Quand tu fais pour toi, il tombe. Sous il y a des menaces, tu mets dans le bureau. Si un collègue de service vous menace de mort, il vous dit toutes sortes de méchancetés, venez me voir. Je vais l'écraser devant vous. Amen. Si les gens n'ont pas peur de vous, vont jamais vous respecter. Alléluia. Il y a trop de choses dans la vie. Chaque jour, je fais des études. Je suis en train d'étudier action prophétique. J'étudie, il y a trop de choses. Que les gens ne te parlent pas. Là, tu parles, là, ton fils, là, ça ne brûle rien. Sorcier, mais c'est chez toi, c'est un report. Il vient dans ta chambre, il fait descendre l'avion. Mm-hmm. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Il y a trop de choses que vous devez connaître. Quand vous levez matin, le soleil, vous voyez là, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Amen. Amen. Avant de lever le soleil, il y a des choses à faire. Ah, je dis, oui, il y a des choses. Il y a des choses. Je pense ça, quand je venais à 4h du matin pour ça, je vous parlais du soleil. Quand j'ai commencé à parler, le prophète m'a dit, je m'en fiche de toi. Moi, je suis converti, j'ai Jésus-Christ dans ma vie. Mon Amen. Nom est dans le lit de vie. Je te montre ce que toi, tu ne connais pas. Amen. La Bible, ce n'est pas tout qu'on connaît. Moi, ce que je connais, je te montre. Je vais te donner le verset de vie. Il y a des anges partout. Il y a ce qu'on appelle les anges du soleil. Ce n'est pas des démons. Or, nous dirons, le Dieu du soleil ment. Or, quand Jésus voulait combattre, il a dit, soleil, arrête-toi. C'est Gabaon. Parce qu'il y avait le pouvoir du soleil. Si tu n'es pas maîtrisé, le peuple ennemi allait avoir la victoire sur eux. Il y a des choses que tu veux connaître. Les mystiques, c'est ce qu'ils apprennent. Ils apprennent des petits trucs bizarres. Ils font l'impression qu'ils sont forts, ils sont rien. Je vais vous éclairer sur beaucoup de choses. Amen.
Amen. Ils appellent âme. Quand vous dites âme, là, ils appellent âme. Parce que nous, on n'est pas sorciers. Ils appellent âme. Et puis, ils représentent ça. Si tu n'as pas la foi, moi, si tu n'es pas trop spirituel, tu vas comprendre mon message. Oui, je ne suis pas venu là pour m'amuser. Je suis venu vous montrer les secrets. Comment vous pouvez un petit enfant pour faire chantage comme Gabriel, il veut te manger. Mm. Et là, tu es bien dans l'âme. Il te donne à manger. Elle. Vous n'effrayez personne. C'est dangereux. Et vous disiez la dernière fois, c'est quand vous rentrez dans un village, dès que vous descendez de la voiture, ce qui va vous intéresser, c'est le sable. Prenez la terre. Prenez la terre et commencez à parler. Parce que quand vous lisez dans Deutéronome 32, à partir du verset 1, Moïse dit, si écoute, terre, prête l'oreille. Or la Bible dit que là où tu foules les pieds, il te donne le territoire en héritage. Or la Bible nous déclare aussi que le vent est comme des messagers. Quand tu finis de parler, la direction du vent jette le sable. Et il dit, tous les esprits doivent se soumettre à moi. Parce que Dieu fait de toi maître des esprits. Dieu ne fait pas de toi chrétien, il fait de toi un esprit. Amen. Alléluia. Amen. Il fait de toi un esprit. Percez, ça dit grandissez. Il veut percer les mystères. Cherchez à comprendre le vent là, les souffles, parce qu'il n'y a pas. Est-ce c'est des mystères. Moi, je suis en train d'étudier les chants de vous. Comment les oiseaux chantent? Ils disent quoi? Parce que tout le monde demande à Dieu. Je veux entendre ce qu'ils disent. Amen. Moi, il y a le ciel. Il y a des choses que je dois connaître. Dieu doit me révéler. Alléluia. C'est pour ça qu'il rentre dans le village, il y a le village déjà en main. Si je te dis, mais prends telle personne, je lui prends. Là, il connaît les techniques. Or, la Bible dit que pour rentrer dans la maison d'un enfant, il faut que l'enfant soit lié. Tu n'as pas pour lier l'enfant, lui va te terrasser. Donc quand tu descends, quand tu prends la terre, tu es en possession de l'enfant. Les démons, les esprits du village, les esprits de famille, je dois oublier. Qu'est-ce que tu as dit? Prends des trônes allons-y. Les gens te demandaient, mais dit, prophète, il faut revenir ici, l'enseignement sur le soleil. C'est trop fort pour vous. Il y a des secrets, on va aller doucement, doucement. Je vous ai donné un grand secret. Une clé. Moi, je fais rendre quelqu'un fou. Vous me regardez. Hey, sorcier, c'est ce qu'ils font là. T'as du bébé ça? Oh, oh. Amen. Amen. Tu as affaire à moi. Je suis coincé. Puis tu me. Je te rends fou. Ça n'a qu'à vous choquer ce soir, je m'en fous. Je vous ai dit depuis maintenant l'entrée, donc on a le langage de combat, des militaires. On a le langage bizarre, bizarre. On a le langage des commandos. Il y a des gens qui sont très endoctrinés dans leur église. On les endoctrine. Ils sont maintenant bizarres, bizarres, bizarres. Quand on parle des choses comme ça, ils sont choqués. En face, ça vous choque. C'est choquant comment? Dieu dit à la mort ceux qui sont appelés à la mort. Amen. Donne-moi une envoie à la mort. Toi qui déclare qui je vais mourir, tu dois me dévancer. Alléluia. Amen. Je suis là pour vous montrer les secrets. Les prophètes sont des clés. C'est des clés qu'on doit vous montrer. Allons-y. Cieux, prête l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Écoute, la, toi t'as dit quoi que la terre a enregistré. Quand tu es dans la villa, la terre n'a même pas, tu ne reconnais même pas. La terre est presque, tu ne reconnais pas. Je suis chrétien, et puis ça ne dit rien à la terre. Mais tu n'as rien dit à la terre. Or, oh, quand les autorités viennent dans un village, c'est le propriétaire terrien qui vient parler. On lui dit terre, le monsieur qui est venu là. Il n'a qu'à avoir la paix ici. Ils ont parlé à la terre. Où je vais les venir? Nos paroles ont des secrets. C'est Dieu qui a mis ça dans la tête. Où est Veslo? Quand j'ai parlé du pouvoir de l'eau, tu vas rester tranquille. Vous savez que l'eau, là, ça travaille, ça travaille avec la lune. Quand la lune est sortie, la marée est haute. L'eau que vous voyez là, c'est très dangereux. C'est bon, c'est dangereux.
Amen. Amen. Il ne doit pas vous enseigner des choses comme ça. Il doit vous enseigner Dieu est bon, mais aujourd'hui je chanterai. C'est le combat, nous sommes au front. Pourquoi libérer les âmes, donner les âmes aux gens? Alléluia. Amen. Quand il donne les âmes, je ne m'amuse pas. Tu as affaire à moi, tu vas me rendre quoi, fou? Il te dévance. Il n'a pas envie de toucher ça. Qui vous essayez ça? Même si tu es païen, ça prend. Permettez ou elle, c'est dangereux. Permettez ou elle, c'est dangereux. C'est tout ce qu'il y a à vous dire. Alléluia. Amen. Tu pars. En début, quand le mois de février apparaît, tu dois parler au mois de février. Vous dites mois de février. Moi, je suis Joël Crasse. Shalom. Tu ne dois pas avoir problème en février. Février, écoutez. Dès qu'un problème est venu, février a dit. Il a déjà dit qu'il ne faut pas y envoyer, il faut y envoyer problème. C'est pas plus haut. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Or, février vient avec bénédiction, puis malheur. Tout est fait de programmation. Ce serait que la transition d'un mois à un autre mois, il y a des choses à faire. Vous dormez quand vous laissez 31, premier, ça vous dit rien. Deux mois, on a été divisible. Mais c'est pas sûr que tu veux que ça soit divisible. Lui, il ne vient pas pour te laisser tranquille. Il vient avec les deux. Souvent, il vient avec malédiction. Quand il est fâché, il vient mettre écrasé. Or, la nuit du 30e au 1er des mois, il t'adresse au mois pour dire, c'est moi, rien. Je t'adresse une parole. Le mois de février, j'ai là. Je ne dois même pas avoir problème d'argent.